Mathieu Klein. Merci les conseillères métropolitaines et les conseillers métropolitains qui m'ont accordé une large confiance aujourd'hui. Je mesure la responsabilité qui est la mienne et la nôtre de réussir ce mandat, réussir le mandat au service des habitants du Grand Nancy. Je souhaite du fond du cœur que ce mandat soit marqué par la recherche de compromis, mais de compromis ambitieux. C'est le sens de la première vice-présidence proposée à François Werner. C'est le sens d'une équipe plurielle, une équipe qui fera aussi toute leur place à chacun des maires du Grand Nancy. Car la métropole, je n'oublie pas que ce sont 20 communes qui choisissent d'exercer en commun leurs compétences pour un meilleur service au public. Je veux évidemment que nous fassions la priorité à la mobilité, que nous gérions dans le contexte de cette crise de la Covid-19 un réseau de transition, notamment permettant dès la rentrée l'utilisation des transports en commun et du réseau Stan dans de meilleures conditions, que nous ouvrions dès maintenant le débat avec nos voisins pour un réseau de transport à l'échelle du bassin de vie, que nous menions à terme le projet de ligne 1 et de la liaison directe vers Brabois. La question économique est au cœur de nos préoccupations, car la crise qui s'annonce sera vive et nécessite une intervention forte, un lien fort entre les acteurs politiques et les acteurs économiques. Le travail sur les filières d'avenir autour de la transition écologique et du numérique, le soutien fort à l'hôpital et les négociations avec l'État pour que le plan d'investissement en faveur du CHRU aboutisse dans les meilleurs délais, pour que le regroupement à Brabois se fasse dans les meilleures conditions et sans efforts sociaux supplémentaires. Tous ces chantiers et bien d'autres seront la feuille de route de la métropole dès les jours qui viennent. Je mesure que la confiance qui m'a été accordée par les conseillers métropolitains est grande, forte, et je mesure que cette confiance-là doit se traduire aujourd'hui par des résultats, par une façon de gouverner aussi proche, respectueuse des sensibilités et des communes. C'est donc un sentiment de responsabilité et un plaisir aussi à prendre les commandes de cette belle et grande collectivité. Je connais le dévouement de celles et ceux qui y travaillent chaque jour pour servir le territoire du Grand Nancy et j'aurai grand plaisir à travailler avec eux.